Bleu chez Serge est récemment déménagé. Montréal.tv est ici aujourd'hui pour la réouverture officielle. Donc, en plus d'un nouveau décor, on a droit à un nouveau menu, des nouveaux cocktails, mais sans oublier les bons vieux classiques comme le taureau mécanique, les danses country et bien sûr, une ambiance déchaînée. Les anciens locaux étaient super populaires. Pourquoi avoir décidé de changer? Bien, on avait l'opportunité de grandir un petit peu et d'avoir une cuisine. Donc, là-bas, on travaillait avec les voisins qui, eux, faisaient la nourriture pour nous, tandis que maintenant, on a le contrôle, la qualité surtout, sur la cuisine. D'ailleurs, qu'on est très fiers. On a des trucs qu'on retrouve nulle part ailleurs, comme un smoked meat cajun. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau au niveau du décor? Plein de choses de nouveau. On a décidé de partir sur une ambiance tailgate, fête foraine. Donc, on a des boîtes de pick-up dans lesquelles on peut s'asseoir. On peut danser sur les tables, évidemment, quand le party lève. On retrouve le food truck, qui est quand même assez exceptionnel, je tiens à le dire. Les toilettes aussi, qu'il faut le souligner, sont incroyables. Je laisse au monde découvrir les toilettes par eux-mêmes, parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'on croit. Ça fait bientôt 12 ans qu'on existe. On est vraiment une destination dans le monde du sport. Ici, on présente tous les matchs de la NFL, tous les matchs de la NHL. On présente vraiment tous les sports, même le sport universitaire américain, on l'a. Fait que les filles, jusqu'à présent, est-ce que vous passez une belle soirée? Vraiment, c'est très rustique. C'est vraiment l'essence du Serge, donc le Québécois là, qui se réveille ce soir. Là. Western, le country, on adore. Les toilettes! Oui, les toilettes! Que dire des toilettes? Oui! J'ai pas visité celle des gars, mais celle des filles, c'est très intéressant. C'est quand même un signe doré qui nous sert de l'eau dans nos mains. Là. On s'y attend pas, c'est une bonne surprise. Mais sinon, c'est le rodéo. Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai gagné des concours de rodéo dans mon enfance, ouais, j'ai fait. Pour vrai? Ben là, on veut voir ça tantôt, pas le choix, là. Ah ben oui, ça me fait plaisir. J'ai juste pas mon chapeau. Donc vous, est-ce que vous êtes des habitués de chez Serge? Pour ma part, oui, je viens environ deux fois par semaine et tous les jours. Ben, je te jure, mon gars, j'adore la musique ici, en fait, c'est vraiment, il y a toutes sortes de musique. Ça passe full latin, full hip-hop, après ça, on va dans le rock. Puis je me suis même lié d'amitié avec les... Je t'ai jamais vu chez Serge, de quoi tu parles? Non, non, moi, je viens chez Serge. On vient chez Serge pour Coco. Coco, DJ Coco! Le principe de chez Serge, c'est « Viens comme t'es, puis tu vas avoir du fun ».